Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour un petit épisode sur Powerwash. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va terminer ce carousel. Et donc, du coup, voilà, j'avance un petit peu hors ligne histoire de que ça prenne pas 15 plombs par mission. Je pense que ce sera plus sympa à faire comme ça. Du coup, j'ai terminé alors la fameuse, les fameuses barres avec ça là. En gros, il fallait remettre en route le manège. Et du coup, vous alliez avoir une partie qui allait relever ici, une partie qui allait redescendre ici. Et donc, du coup, c'était ça. Et pour le reste, fait ça et puis le toit. Donc du coup voilà, comme j'ai dit, j'ai décidé de le faire un petit peu, enfin, bravo Maurice, essayer de le faire un petit peu hors ligne histoire d'avancer. Je vais pas pouvoir monter, c'est incroyable, merci. Et donc du coup il me reste les toiles, donc je fais tout ça. Et puis voilà, donc les toiles, hop. Alors je fais pas souvent, mais je vais peut-être me permettre de boire mon café pendant la vidéo parce que je me lève en fait, je pense que ça s'entend, j'ai une grosse voix de mort. Et du coup, après, je sais pas si j'aurai trop le temps de tourner des vidéos parce que Kathleen est malade, du coup. Enfin, Kathleen est malade. Je pense. En tout cas, elle est partie chez le médecin avec sa maman. Et on verra. On verra, on verra. Alors, où c'est qu'il y en a encore? Où c'est qu'il y a de la merde ici? En prison. Ah, là-haut. Ah, oui, mais là-haut, c'est le bordel, en fait. Ça va être un peu le bordel. Ah oui. On peut récupérer l'échelle pour la reposer là ou quoi? Pas du tout. Je voulais faire MacGyver, moi. Comment je vais me démerder, Roger? Alors, attendez. Non, pas R. C'est quoi, c'était? Je me rappelle jamais. Putain, c'est terrible. Pas d'extension. Voilà. Ok, et voilà. Alors, est-ce que ça va suffire? Monte, Roger. Putain, je vais quand même pas rester une demi-heure sur une étoile, bordel de bite. Je vais refaire là comme il faut. Allez, les bords, ils vont me faire chier là. Ça, c'était fait. Ouais, il me reste là-haut, mais ça va être chiant. Hein. Ouh là là. J'ai pas fait exprès. Hein. Mais bon, nickel, impeccable. Du coup, un petit peu pour ce carrousel qui est maintenant terminé. Oh. Ah, il était long, hein. C'était une mission à 500 boules. Normalement, ça dure pas une éternité, mais il était long. Donc, du coup, la suite. La foreuse. Ah, oh, putain. Quelle idée. T'amènes une foreuse dans le garage. Quelle idée. Alors, attendez, je remets l'extension extra longue. Extra longo. Est-ce que ça va se nettoyer aussi facilement que ça ou pas du tout? Pas du tout, hein. Ah oui, d'accord, oui. C'est tout du métal, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un coup comme ça, et pour le reste, on essaiera de réutiliser un peu du savon, n'est-ce pas? Là, ça va être chaud. C'est tout du métal, ouais. C'est tout du métal. T'amènes une foreuse à nettoyer dans la maison, dans le garage. Bonjour, j'ai toqué chez vous aujourd'hui, j'ai une foreuse à nettoyer, vous pouvez pas le faire, s'il vous plaît? Oh, le sac, terrible. Terrible, terrible. Ah, je m'attendais pas à celle-là, tiens. Alors, il y a eu une mise à jour. Alors, j'allais dire cette semaine, pas du tout la semaine dernière, parce que moi je vous tourne la vidéo, on est samedi, dans la journée où. Il y a eu une mise à jour d'un giga 2, si je dis pas de bêtisation. Donc, du coup, je sais pas ce qu'ils nous ont rajouté par-dessus, mais en tout cas, il n'y a rien de cosmétique. Donc, on verra bien. On verra bien, on verra bien. On verra bien, donc normalement ça devrait pas nous prendre 15 plombes. Ça dépend parce que les endroits où c'est bien dégueulasse, apparemment ça sera pas facile. Ça sera pas facile. On verra. Donc on est à 33% de la mission, messieurs-là. Oui, parce que donc, ah, une foreuse, c'est pas non plus, ça fait pas non plus 1,5 hectare. Donc les endroits qui se nettoient assez facilement. C'est vite quand même. Elle est dégueulasse ta foreuse, Roger. Qu'est-ce que t'as fait avec? Ouais, dis ce bordel, dis. Ah, je m'attendais pas à celle-là, tiens. J'aime ça. C'est mort. Hein. Ok, on va finir de faire le tour grossièrement. Là, c'est grossièrement. Hein. Et après,
On va essayer de racheter un peu de produits. Tiens, pas si on en a encore aussi, c'est toujours en rupture. Donc on a 40%, on a dépassé 40%. Si c'est en rupture, toujours aussi, nous en avons rajouté. Ah, Dieu. Et du coup, ce côté-là. Or, le dessus, on le fera bien sûr après. On tra dessus, je pense. Or, le dessus devrait avoir beaucoup, hein, ça. Normalement, c'est toujours un rond. Ça devrait pas. Ça devrait pas être trop chiant à grimper. Allez, roule ma poule. Et donc, normalement, du coup, quand vous aurez la vidéo, ce sera mardi. Et il devrait y avoir deux vidéos dans la journée. Si j'ai le temps de le tourner, mais là, je fais en suivant. Donc, vous l'aurez compris que j'ai déjà lundi. Et vous l'aurez déjà vu d'ici là, d'ailleurs. On a 60%. Et donc, ça devrait le faire. Je devrais arriver à me démerder. C'est pas le problème. Pas le coup de la foreuse, là, je m'attendais pas à ça. Quelle idée. C'est vrai que jusqu'à présent, depuis cette mise à jour là, on avait fait que du bâtiment. Et du coup, aucun nettoyeur relié. Pourquoi? Ah bah attends, faut peut-être que je le mette là en rupture de stock. C'est pas vrai, comment ça? Mais non, c'est pas possible, en rupture de stock. Putain, la merde. Oh, on finit tout avec le bordel là. Oh putain, ça va être chiant ça. Comment ça se fait qu'ils nous en ont pas remis? Parce que depuis le temps que je nettoie, ils nous en ont permis depuis un long long moment. Je sais pas trop comment ça va se passer du coup. Ça vaut le coup de nous mettre du produit dans le magasin, on peut pas en acheter. Dis donc, moi je veux du produit moi. Et ben on va tout faire à la cliquette. On va se débrouiller. Ça serait depuis le temps que je m'en suis servi, ils auraient pu en remettre quand même. Rupture de stockage, ils sont encore pas très énervés au magasin. Hein. Non mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bien sûr, le seul qu'il me faut, c'est celui qui est en rupture de stock. Après, toutes les autres surfaces ont l'air quand même de se nettoyer globalement bien. Il y avait eu, je sais plus quoi, à la fin des premières missions où je crois que c'était le plastique, à un moment on en chie un peu, mais sinon globalement les autres surfaces se nettoient plutôt bien. Il n'y a vraiment que la ferraille qui pose problème quoi. Et ça c'est les. On va finir là. Le mandrin. On peut appeler ça comme ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est marqué. J'étais en train de chercher le comment ça s'appelait. Du coup, j'ai regardé, mais sinon, j'aurais dit la caquette. J'ai beaucoup de vocabulaire, moi. Et du coup, ben, c'est là que ça va se compliquer. Parce que finalement, jusqu'à présent, c'était assez aisé. Et ça partait quand même bien. Maintenant, ça c'est quoi ça? Mèche de perceuse. D'accord. Voilà, normalement, il devrait pas être trop difficile en termes de nettoyage. C'est quand même une grosse pièce, ça. Ok, je dis ça, mais... Ils ont l'air d'être partis pour me casser les pieds, quand même. Je fais du vite fait. Mais... Il va falloir un peu plus de temps que ce que je pensais. C'est quoi ça? Chenille. C'est la chenille qui redémarre. Ben, adieu, mais... You fucking to me?
C'est quoi ça? C'est pain savon. Ah oui, c'est pas la même pièce. Ah yeah. Ok, bon, on va essayer de faire ça aussi. Je suis une foreuse pour vous. Non, mais c'est terrible ça. Hein. T'as mis une foreuse dans le garage. C'est assez terrible quand même. Ça me fait bien rigoler, mais c'est assez terrible. Ah, c'était quoi? Un rouleau. Roue. Roue, roue, roue. Deuxième roue. Il y a des trucs, ça va pas être si évident que ça. Comme la chenille, je sens qu'elle va me casser les pieds là. La chenille, ça va forcément être très facile. Ça, c'est quoi ça? Roue motrice. Mais pourquoi il m'affichait roue puis la roue motrice? Oh, écoute, hein, je vais pas trop chercher parce que tout le monde va jamais y arriver. Je ne comprends pas. C'est comme en mission spéciale, du coup, j'ai jamais fait. Je pense pas que je la ferai, en tout cas pas avec vous. En mission spéciale, il y a un robot sur Mars. C'est rigolo. Je trouve ça sympa, c'est rigolo, mais bon, après, elle n'ira jamais nettoyer un robot sur Mars, en principe. Déjà parce qu'il n'y a pas d'eau. À part s'il te le ramène ici, mais je suis pas sûr. Vu le décor derrière, ça a l'air d'être sur Mars que tu vas aller la faire. Oh, les chenilles, ça va être chiant, là. Oh lolo. On a combien? 80% presque. 78, on est. 78. Ça, normalement les trois roupettes du bas, c'est fini. Le panneau blindé là. Il s'est fini sur l'autre, j'ai même pas fait gaffe. Pas du tout. Attendez. Ah, celui-là, j'ai pas fini non plus. Ok, va falloir que je regarde ça. Hein. Ah, mais ça en fait partie. Ah, bah oui, non, mais c'est bon. Voilà. Ah, oui, d'accord, c'est tout une pièce. Alors la chenille là qui redémarre. Qu'est-ce qu'elle me veut, la chenille? Bon, là pour le coup, ce truc-là, ça a ni queue ni tête, là. Ni queue ni tête. Et puis c'est bon? Non, pas du tout. Ça ne suffira pas, mon petit. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit à ce truc-là, là? Il faudra que je monte, on est à 80%. Il va falloir que je monte. Est-ce que j'ai une échelle? Ou un escabeau peut-être? Ou alors il y a des marches derrière. Possible. Possible, possible. On est à combien? 80%. Ah ouais. 80, 80. Alors en fait, bon, ça va toujours pas avec ça? Alors, je pense que si, ça dépend des endroits. Il y a des endroits, ça va peut-être aller. Il y a des endroits, ça va beaucoup moins bien aller. Après, je sais pas. Écoutez, je vais essayer avec le jaune. On verra bien. Faut insister un peu plus, mais bon. Dans la logique des choses, ça devrait passer. Faut juste être un peu plus énervé sur le nettoyage du même endroit. Ou alors se rapprocher un peu plus peut-être aussi. Je sais pas, je trouve. Moi j'aime bien la. J'aime bien ce truc-là, l'embout jaune. Disons que la roto, j'ai un peu de mal parce que. Parce qu'en fin de compte, il faut quand même que tu insistes, même si c'est la roto. Enfin, pas énormément non plus, mais il faut quand même que tu insistes. Et du coup, comme elle fait des ronds, si tu te mets trop loin, ça nettoie pas comme il faut. Elle fait des tours, pas des ronds. Et la rouge, ouais, c'est vrai que la rouge serait peut-être la plus pratique. Petite, petite. Eh bien, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long que ça.
Mais hein, là, des petits coins dans une foreuse, dis donc. Bon alors, qu'est-ce qu'elle me dit là, la chenille là? Elle me dit que ça va pas être si facile que ça de la finir, ça y est. Ok. Alors ça sera fait. Donc du coup, ce qui est du dessus, je suppose qu'on finira après. Il va nous falloir une échelle ou une connerie. Hein. Forte chance. Mais non, rapproche pas comme ça, débile. Alors en fin de compte, si devant c'est le mandarin, ça c'est quoi? Pince arrière. Mais c'est pas une pince. Si, c'est une pince. My bad, je suis pas connaisseur en foreuse. Je suis un peu plus connaisseur en patate de forain, mais pas en foreuse. Ah putain, il y a encore ça, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Mais nique. Ah oui, il y a ce fameux zinzin. Ouais, mais il y a par le dessus, donc je suis couillonné quand même, là. Par les dessus, je fais comment refaire, là? Pour être sûr de mon coup. Et oui, il faudra pas que j'oublie, par contre. Alors, mon petit, c'est le nôtre. C'est le nôtre. Et alors, tous les ricoins, là. Et ça, c'est quoi? Blindage arrière, d'accord. Je me renseigne, hein, au cas où des fois un jour j'achète une foreuse. Non, pas du tout, mais je trouve ça assez intéressant quand même, ce truc-là. Que je n'ai jamais vu IRL déjà. Enfin, c'est pas le truc que je m'intéresse réellement en fin de compte. Ah non, mais d'accord. Oh, ça va tout se faire par la mail comme ça là. Nick. Oh, c'est le merde. La porte, donc l'encadrement, je suppose, le cadre. Ok, j'ai pas, ça y est, c'est bon. Après, il y a le rond là, fuselage. Ah ouais, mais là, il y a toutes les lamelles à la con là. Oh, un dieu, de dieu, de dieu. Les petits coins là, les petits coins, toujours les petits coins. Et du coup, j'ai ce rond à la con là aussi, le fuselage arrière. Est-ce qu'il me le comptera en même temps que les salles du blindage là? Les blindages. Alors, comment je vais y faire pour le reste? Il me faut cette échelle. Elle doit être là-bas, je crois. Si j'ai bien vu, elle doit être un peu plus loin. Ça devrait y aller. Parce que là, en fait, il y a la moitié des trucs, je vais pas pouvoir les finir. Ou alors je regarde après, je finis ça, mais je regarde après, je peux faire ça aussi. Il hein. Faut pas que je zappe la moitié de ce que j'ai dit. Il y a les roues derrière ces chenilles-là, de l'autre côté, à faire. Du coup, on est à... Ah là, ça avance beaucoup moins vite. Hein. On a 85%. On a fait 5% depuis tout à l'heure. Ah, j'ai deux escabeaux, j'ai vu. Ça va le faire. J'ai l'escabeau là, puis je crois bien que l'échelle là. Mais l'échelle là, je suis pas sûr qu'elle soit fonctionnelle celle-ci. Je crois plutôt que c'est de la décoration. Alors, finalement, c'est peut-être le rouge qui va être le plus opti dans les moments difficiles comme ceux. Encore, je dis ça, mais je suis même pas sûr. Alors, mais ça part même pas avec la rouge, c'est terrible. On va essayer de faire comme on peut, hein. Des merdes. Et puis voilà, 87%. De faire au mieux, mais les chenilles c'est pas facile. Non, non, pas comme ça. Je vais hérisser la roto. Ça a pas l'air d'être plus tenace que ça, donc j'aurai peut-être meilleur temps de faire ça en même temps pendant que je suis là. Donc je chope la vente.
Ok. Je vais bouger un petit peu cette fois. Voilà, la roto est assez efficace dans le sens où c'est pas une ultra tenace et on est tout près. Donc si c'est la roto le plus optique, je pense. Elle me stresse à force. Donc IRL, je trouve ça plus sympa en termes de bruit que dans le jeu. Dans le jeu, t'as juste le bruit de l'eau, tandis que IRL, quand tu te rapproches un petit peu, t'entends le bruit de l'ensileuse en même temps. Je trouve ça assez sympa. Alors, ça. Il y a encore les roues là. Elle est faite. Ça c'est fait. Mais la roue là, elle est pas faite. Qu'est-ce qui lui manque? Ah si, elle est faite. Lol. Ah bah d'accord. J'avais pas fait gaffe. Et puis la roupette là. La roupette là, qu'est-ce que ça donne là? Ah mais elle est faite aussi. Okay. Là, je comprends plus rien de ce que je fais, c'est terrible. Alors la chenille qui redémarre, 89%. Ah bah qu'est-ce qu'elle a cette chenille qu'elle me casse les pieds là? Elles sont pas reliées? Bah non, elles sont pas reliées, c'est pas possible. Il y a un endroit où je me fais couillonner là. Là je vois plus de saleté, comment je fais? Ah si, là, il y en a. Là, il y en a, mais il y en a, ça va rien faire avancer du tout. Mais non, du coup. Ah, par le dedans. On va se baisser un petit peu quand même. Baisser notre gros dos, ok, nickel. Et du coup, celle-ci, avant de basculer sur le dessus. Et on est à 90%. Pourcentos. Je tâche d'en faire un peu plus depuis le pied quand même. J'en mets autant après. La chenille là. Et de faire un maximum que ça j'ai pas à redescendre. Bon, c'est fait. Et du coup, il y aura encore tout ça là, cette histoire de blindage devant. Voilà. Le blindage de Seymour. Allez, crash, 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 gros dégueulasse. Bon, en fait, on a juste une plaque, deux plaques de blindage. Je dirais. La chenille du dessus et les roues du dessus. Plus le mandarin, je veux dire. Plus le mandarin. Vous êtes déjà pas mal à ce qu'il reste encore, mais. C'est con qu'on puisse pas la faire tourner. Pour avoir meilleur temps, c'est qu'il de monter. Ok. L'échelle est pas fonctionnelle. Bah voilà. Voilà, aisé. Pas besoin d'échelle. Tu sautes un petit coup, ça passe. Ça. Gagner. Alors la chenille c'était fait, il me restait quoi? Il me restait ça, les roupettes là. On n'a pas voulu se faire avant. Celle-là c'est fait. Celle-là c'est fait. Il y a le compartiment là qui n'est pas fini aussi. Si il est fait celui-là. La roue motrice là. Compartiment. Et encore celui-là aussi. Et ben alors. Faut pas que je l'oublie. Hein. Si je l'oublie, je vais chercher comme un con. Ok, ça c'est fait. C'était pas le mandrin, c'était la pince. J'ai rien dit. Le mandrin, on l'a fait. Du coup, je suis emmerdé là. Il y a ma roue motrice de mort là. Ça y est, ok. Ok, nickao, michao. Bon alors étant donné que je suis pas très loin. Je suis plutôt proche de tout ça.
Ça peut-être. Et que j'ai pas commencé surtout. Ah bon. Ça va peut-être aller ça. Alors cette histoire de blindage là en dessous là. Comment je fais, dites-moi. Recule, recule, comment veux-tu que je t'en tube? J'y reviendrai parce que peut-être se mettre sur l'escabeau, j'y arriverai peut-être mieux. Ouais, c'est toutes des petites parties qui vont me rester, c'est le bordel. Alors de ce côté-là, c'est vrai que j'ai pas fait non plus ça. Bah, la même chose que l'autre côté, hein, roue motrice, roue et tout point, point. Tutti quanti. Tutti quanti. Ok, il me reste la roue motrice là et la roue là. Ça y est. Ok. Là, c'est pareil, j'ai la même dose ici. Hein. La plaque de cuisson. La plaque de cuisson. Quand? Ah, tu veux pas t'enlever. Hein. J'ai craché comme un mulet, toujours au même endroit. La roue s'est fait déjà, celle-là aussi. C'était la roue motrice, c'était pas la roue que j'ai fait de la deuxième. Ça s'est fait. Du coup, il me reste cette partie-là. Donc la moitié, je dirais une roue motrice, une ou deux, j'ai pas trop regardé ce que j'ai foutu. Le tapis, là. La chenille. Le tapis, mais c'est la chenille. Et après. Là, au revoir madame, monsieur, je change de côté, je vais derrière. Alors attendez, je. La roue c'est bon, roue motrice c'est bon, roue c'est bon, roue motrice c'est bon, roue c'est pas bon. Alors tu m'expliques? Ah c'est là, ah bah c'est bon. Ok, donc la chenille, fuselage arrière, benadage arrière. C'est quoi le fuselage arrière? J'ai pas vu. Ah, la chenille, la chenille, la chenille, c'est la chenille qui redémarre. Mais tu vas lâcher ta chiasse? Merci. Fuselage arrière, qu'est-ce que c'est? Je me rappelle plus. Arrête-toi, saloperie de mouche de mort. Ah, c'est ça. Ok, nickel. Et du coup, les plaques de cuisson, là. Comment je fais? Monte sur ce truc. Ah, je suis trop près, c'est ça. T'es pas chiant, toi encore. Hein. 1, 2. Alors, celle-là, 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 c'est bon. Celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon. Descends voir. Ça, c'est. C'est celui-là qui est pas bon. Bah, j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Bon, mais c'est où? Ah, puis il y a des fois tu cherches. Hein. C'est celui-là. Ouais, ça y est. Et il m'en reste un. Et c'est celui-là. Impeccable. Impeccable. On a redébloqué du liquide de nettoyage d'ailleurs. Ce qui est plutôt cool. J'allais dire c'est buggé, mais du coup j'étais de l'autre côté. Voilà, une petite foreuse toute propre. Tu peux y retourner, mon salaud. Oh, un dieu. Le temple, 750 boules, ok. Ok. Et on nous a redébloqué du savon, donc. Enfin, je crois. Je crois, je crois. Combien on en est? On en est presque à 30 minutes. On va pas tarder de s'arrêter, messieurs, dames. On le fera, je pense, la prochaine fois. La prochaine fois, alors. Ok. Ok, donc on est là. Et qu'est-ce qui compte? Il y a juste la baraque? Merde. Il y a juste la baraque qui compte? Apparemment. Bon, c'est déjà pas mal, hein, parce que quand tu vois ce qu'il y a à faire. Alors, par où commencer? Alors, comment te dire? Tu me fais chier. Tu me fais chier, tu me fais chier. La foreuse, en fin de compte, elle a pris du temps. Hein. Je pensais pas qu'elle prendrait autant de temps que ça. La cocotte. Alors du coup, avec cette nouvelle mise à jour d'un giga 2 qui nous ont recollé, je ne sais pas s'ils nous ont rajouté d'autres missions, donc ça on découvrira
On le découvrira la prochaine fois, je pense. En tout cas, il y a encore du... Il y a encore du taf sur celle-ci, puisque voilà, j'ai fait bientôt, en pinant comme ça, un poteau, j'ai eu que 1%. Mission à 750 boules en règle générale, il y en a pour un petit moment, je dirais. Mais ce qu'on fera, c'est que je ne sais pas si j'avance un petit peu hors ligne. Parce que si je fais une vidéo complète et que derrière j'avance un peu, ça fera une vidéo pour 2 minutes, si toutefois ils n'ont pas rajouté de mission. Donc je sais pas trop comment procéder. Là, je pense que le prochain coup, on fera une vidéo complète. Et à la limite, ce que je ferai, c'est juste avant la fin, je ferai une coupure. Et puis moi, je nettoierai et je terminerai avec vous. Comme ça, voilà. Si toutefois ils ont remis une mission après, une ou plusieurs après, bah écoutez, on pourra regarder. Et s'ils en ont parmi, bah voilà, ça fera une vidéo complète. Mais ça fait pas une et un petit bout de kékette le coup d'après, quoi. Donc voilà. Bref, bah du coup, on s'arrête là pour aujourd'hui. Normalement, tout à l'heure, il y aura une seconde vidéo sur farming pour la présentation de la dernière série. Et puis demain dans la journée, du car mécanique. Demain soir, on fera du bus simulator. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi ou une bonne soirée si vous êtes à la vie dans la soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.